Salut tout le monde, alors j'ai planté ma daronne. Non, je rigole. Peut-être pas. Tout le temps, il coupe le courant. Bref, je fais tout simplement cette vidéo parce que j'ai envie de vous raconter mon histoire. Voici mon histoire. J'ai dépensé 3 700 € pour deux intros, dont une que je déteste. C'est vraiment, c'est la pire. Du coup, cette vidéo, c'est clairement pour rembourser mes intros. Plus transparent que moi, ça existe pas. Je sais où tu te caches. Ah bah la YouTube money en ce moment, voilà quoi, ça y va hein. Non, je rigole, pour être plus sincère, c'est j'ai demandé à une personne de me faire une intro et au final ça m'a pas plu, du coup j'ai demandé à une autre personne de me faire l'intro et c'est tout simplement cette intro. Allez, balance l'intro. Let's go. Vous avez vu, elle est super jolie mon intro. Franchement, il a géré le mec. Mais est-ce que je vous montre ce que l'intro allait être de base, c'est-à-dire celle que j'aime pas? Eh bah vas-y, balance l'intro. Let's go! Vous avez vu, il y a une sacrée différence, hein. Tout simplement parce que la première intro, je l'ai payée 700 €, donc l'intro que j'aime pas. Et la seconde intro, qui est l'intro officielle de ma chaîne maintenant, je l'ai payée 3 000 €. C'est bon pour vous? Et maintenant, je vais vous raconter leur histoire. Alors déjà, faut savoir que je suis beaucoup de youtubeurs américains, dont un youtubeur qui s'appelle Jem Charles. Et son intro, c'est ça. Vous avez vu, elle est géniale hein. On voit beaucoup l'inspiration que j'ai eue sur lui. Et en fait, celui qui a fait cette intro, c'est cet artiste. Il fait des intros de fou. Il a fait des intros à énormément de youtubeurs américains. Et je me suis dit, bah pourquoi pas la mienne en fait. Sauf que je l'avais contacté il y a 2 ans. Sauf qu'il y a 2 ans, vas-y, il m'a pas répondu. Il m'a bien vu. Et du coup, bah, j'ai littéralement abandonné. Et il y a 1 an, je me suis dit, non, c'est bon, au bout d'un moment, faut que je trouve quelqu'un pour qu'il me fasse mon intro. Et à ce moment-là, j'avais une personne qui me faisait mes miniatures. Et du coup, je lui ai demandé, ouais, toi qui es dans le domaine, est-ce que tu connaîtrais une personne, enfin, qui sait faire ça? Elle m'a dit, mais frérot, enfin, tu l'as devant toi, la personne. Hein. Je lui ai dit, mais non, tu mens. Jure la vie de ta grand-mère, la grosse chouin. La gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. Bon, j'ai pas dit ça, mais théoriquement, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Bon. Du coup, je lui ai envoyé quoi? Je lui ai envoyé bah, ce que je voulais, etc. Je lui ai dit, moi, je veux, comme l'intro de Jemcha, est-ce que tu sais faire? Retenez bien ce message. Oui, bien sûr, c'est mon domaine. Tu mens. Ok, à partir de ce moment-là, je lui ai fait confiance à 100%. Bon, vas-y, à 95%, il y avait quand même 5%, j'étais en mode, bon, surprise. Du coup, là, je lui ai envoyé bah, tout ce qu'il fallait faire, parce que vraiment, comme je vous ai dit, ça fait 1 an que je prépare cette intro, ça fait 1 an que je veux la faire. Oléa, tu bouges ton boule ou quoi? Et là, elle m'a répondu le 1er mai 2022. D'ailleurs, pour l'intro, ça serait 700 €. Ok, 700 €, je me dis, wesh, franchement, c'est pas cher pour une intro de ce style. Je pensais vraiment que ça allait être 1000, 1300, un truc dans le genre. Du coup, j'étais trop content, frère. Après, je lui ai dit ça, ça marche, je compte beaucoup sur cette intro. Vraiment, je lui ai mis la pression, mais de fou. Je me dis, vas-y, c'est une bonne pression que je lui mets comme ça. Elle sait que faut pas bâcler le travail. Et je compte la garder longtemps. Du coup, je veux vraiment que ça soit propre. Yes, je sais qu'on pourra bien la travailler sans souci. Ensuite, je vais balancer bah, les tenues que je voulais que les personnages aient. Parce que oui, il faut savoir que les dessins, c'est pas elle qui les a fait. Elle a dû contacter une autre personne pour les faire, etc. Pour ensuite qu'elle, elle envoie les dessins à elle pour pouvoir... Enfin, vraiment, un bordel pas possible. Donc déjà, à partir de ce moment-là, je me suis dit... Ça va être compliqué, je le sens. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Et du coup, le temps il passe. Faut savoir que je l'ai demandé en mai. Là, on est le 24 août. Je vais demander des nouvelles de mon intro, tu vois, 700 balles. Coucou, est-ce que tu as des nouvelles de l'intro à son avancée? Elle m'a dit, hello, je lui ai envoyé un message, attends sa réponse, je crois qu'il est en vacances là. Je t'avais dit fin septembre ou octobre déjà. Yes, mais je voulais savoir si elle était au moins commencée, car ça fait quand même depuis avril. Oui, bien sûr, elle est commencée. Je crois qu'elle avait pas du tout commencé. Vous savez, c'est le mytho qu'on dit à chaque fois que nos potes ils nous appellent, ils nous disent, bon, bah du coup, tu sors ou pas? Descends, pourquoi faire? Je lui dis, ouais, vas-y, je suis là. Je viens de me réveiller, je suis encore en pyjama, frérot. Et du coup, moi, motivé comme jamais, entre-temps, bah, j'avais fait sur ma tablette bah, tous les détails que je voulais, etc. Vraiment, je vais donner un max de détails. Wow. Et j'ai fait des planches comme ça. Franchement, c'est hyper bien fait, regarde. Là, vous reconnaissez un peu les parties de mon intro. Avec le poulet, l'oiseau, la fumée, le truc de la bulle, le truc avec le spray. Tu vois, on reconnaît des détails. Et là, le 15 septembre, donc 2 semaines après que je lui ai demandé des nouvelles. Salut, comment tu vas? J'ai enfin les croquis pour l'intro. C'est juste les croquis, hein, vraiment. Dis-moi.
voir ce que t'en penses. Du coup, les croquis, c'était ça. Holy Jesus. Comment dire, j'étais en mode, ah ouais, mais moi, de base, je voulais un truc comme ça. C'est-à-dire, c'est pas très ressemblant entre ça et ça. Il y a une sacrée différence, tu vois. Du coup, je lui ai dit ça. Hello, super, et toi? On est d'accord que c'est juste le croquis, ça rendra mieux en version finale. Vraiment, je cherchais, je me disais, vas-y, ça se trouve, ça va être 10 fois mieux avec des couleurs et tout, tu vois. Là, c'est juste un croquis. No. Et là, le 24 septembre, genre vraiment 10 jours après. Hello, Saphir, comment tu vas? J'ai des nouvelles de tes élus. Et là, elle m'envoyait des photos avec les couleurs. Franchement, ça va. Et la tête, elle est bizarre. Enfin, on me reconnaît pas, on est d'accord? Je ressemble pas à ça. Il y avait un truc qui me gênait, mais je savais pas ce que c'était, tu vois. Et du coup, elle m'envoyait les autres élus, donc ceux-là. J'étais en mode, ah ouais, l'intro va être vraiment compliqué. Mais je me suis dit, vas-y, de toute façon, ça passe, tu vois. Genre, vu tout le temps que j'ai attendu et tout l'argent que j'ai mis, on est obligé de finir. Parce que sinon, moi, j'ai pas d'intro. Mais je me suis dit, vas-y, juge pas une couverture par sa page de derrière. C'est nul! Bref, en gros, juge pas, frère. Ça se trouve, ça va être bien à la fin. Et là, le 16 octobre, frère, ça fait plus de 2 semaines. J'envoie un message, salut, je voulais savoir où tu en es. Rien. Le 17 octobre, point d'interrogation. Le mardi, on me répond. Salut, je suis à Barcelone, je rentre ce soir, donc je t'envoie ça demain dans la journée. Comment ça, ça prend des vacances? Là, faut travailler sur mon intro, hein. Comment ça, ça prend des vacances en octobre déjà? L'été, je veux bien, l'été, j'ai rien dit. On a commencé mon intro au mois de septembre. Je l'ai commandé au mois de mai. Et en octobre, ça prend des vacances? En vrai, au fond, j'avais un peu seul. Je me dis, mais wesh, mon intro. Ensuite, le temps il passe, hein. Machallah, comment il passe. Le 15 décembre, elle m'envoie ça. Hello, nickel. C'est avant, je suis en train d'y bosser. Petite question, t'auras pas nos anciens messages? Je ne trouve plus toutes les infos. C'est pas très pro ça. Fallait créer un dossier avec toutes mes infos et tout. Mais vraiment, c'était ça tout le temps. Genre, à chaque fois, je devais lui envoyer des infos et tout. Mais bon, moi, je le faisais parce que je voulais mon intro, tu vois. Donc, je faisais sans broncher. Et là, le 17 décembre, elle m'envoie une partie. Donc, le début de l'intro, genre animé. Genre là, on a plus des dessins. Là, genre là, c'est animé. Du coup, elle m'envoie, je regarde et il se passe un truc de fou. Dans mon cerveau, j'étais en mode attends, j'ai 700 balles pour ça. Ça doit être un croquis encore, un croquis d'animation. Après, ça va être mieux. Non, c'est l'intro finale. Ah, j'ai envie de pleurer. Crise cardiaque. Oh là là. Et du coup, moi, je voulais juste que l'intro se finisse. J'ai dit oui, j'aime bien, mais tu penses que je peux avoir des mouvements dans les cheveux comme James Charles? J'ai envoyé l'exemple et tout. Et on voit très pertinemment que l'intro que je voulais et l'intro qu'elle m'a faite, c'est pas du tout le résultat que je voulais. Mais malheureusement, je pouvais rien lui dire parce que c'est de ma faute. Déjà, je lui avais payé la totalité de l'intro. Et de plus, je lui ai fait confiance à 100% alors qu'elle a jamais fait d'intro, etc. J'avais pas d'exemple visuel. Vraiment, j'ai fermé les yeux et je lui ai fait confiance. Moi, elle m'a dit, elle savait faire, elle savait faire. Pour moi, elle allait me faire un copier-coller. Machin, là, le copier-coller. Mais elle a fait un copier-coller, vous savez, en cours, quand on dit, ouais, recopie pas ce que je fais. Et tu changes quelques mots. Et bah, c'est ça. Oh, punaise. Quand elle m'avait envoyé le début de l'intro, je lui ai dit, c'est pas possible. Faut que je recontacte le mec parce que c'est vraiment ce style d'intro que je veux. Et j'ai l'impression que personne sait le faire à part lui. Vas-y, au culot, t'y vas. Tu le contactes. En mail, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Je contactais tous ces réseaux sociaux. J'ai dit, on sait jamais, sur un malentendu, peut-être que je vais avoir mon intro. Du coup, il répondait pas. J'ai envoyé le 22 décembre. Hi, I'm French YouTuber and I wanted to know what was your price for a YouTube intro. Vraiment, mon anglais tout pourri. En plus, vous savez, je faisais quoi pour parler avec lui? J'allais sur Google Traduction, je notais en français, ça me mettait en anglais, je copiais-collais, je l'envoyais. Eh, hey, je faisais des fautes d'orthographe, de syntaxe, tout ce que tu veux, tout ce que les profs d'anglais, elles détestent. Wait, your aunt is spending so much of your time. You have so many horseflies in the tent. Attends, ta tante, t'en as autant de temps dans la tente. Et là, il m'a répondu. Yes. Le 26 décembre, donc presque une semaine après. Et là, j'ai commencé à tout lui envoyer. Je lui ai dit, regarde ce que la personne d'avant, elle m'a fait. Est-ce que tu serais capable de faire mieux? Je savais très pertinemment qu'il pouvait faire mieux vu que c'est ses intros, tu vois. Et du coup, il a marqué le bad. Oh my god, it look bad. Yeah, I can make it much better. Du coup, j'ai envoyé toutes mes idées. Tac, 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 tac. Tout, 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 de A à Z. D'ailleurs, j'ai changé quelques petits trucs. J'avais de nouvelles idées, forcément, en un an. Parce que elle a pris un an pour me faire cette intro. Qui n'est pas ouf, en fait. Qui me plaît pas, en fait. C'est pas qu'elle est pas ouf. Parce qu'en soi, elle a fait le maximum qu'elle peut. Et l'expérience qu'elle a, c'est pas la même expérience que cette personne-là. C'est juste ma faute, en fait. Du coup, oui, je lui ai tout envoyé, même les différentes coupes que je voulais. Tac, tac, tac. Je lui ai dit, fais-moi cheveux longs. Il m'a dit, mais frérot, t'as les cheveux courts. Enfin, j'ai dit, non, mais en fait, c'est parce que c'est une intro que je vais garder hyper longtemps et vu qu'en ce moment je suis en projet cheveux longs, bah vas-y, ça pousse et d'ici un an et demi j'aurai plus la même tête que j'ai maintenant et faudra changer l'intro. Mais vous avez pu remarquer que pour un personnage je lui ai fait les cheveux courts, je suis avec la casquette. Je me dis, on sait jamais, des fois je coupe, des fois j'en ai marre, projet cheveux longs, je coupe. J'ai envoyé aussi mes différents outfits que je voulais dans l'intro. Il m'a envoyé les premiers résultats, genre le début et tout. J'étais, ouais, c'est bon, masterclass, masterclass de fou. Bon, bien sûr, il y avait tout le temps des
des petites modifs à faire, mais c'était des modifs légères, tu vois. Et là, paf, il m'envoie l'intro finale. C'est l'intro que vous venez de voir dans cette vidéo. Masterclass. Eh, hey, t'arrêtes! T'arrêtes de partir sur ma caméra, je vais te vénère une, pas deux, ok? Je vais te mettre des patates, hein. Wesh, en plus, elle me fait caca dessus, elle est malade. Et d'ailleurs, la musique de l'intro, c'est Kiyoshisad qui me l'a fait. Donc, merci beaucoup, grosse force et tout. En plus, il me l'a fait gratuitement. Je lui ai dit que je voulais une musique style Disney Channel, tu sais, tard l'époque. Et je crois que je lui avais envoyé, comme exemple, Phineas et Ferb, qui se rappelle meilleur Disney. On pourrait faire une fusée. Moi je kiffe et c'est ce qui allait le mieux avec la chaîne et le type d'intro que je voulais, donc bénef. Donc voilà comment j'ai utilisé 3700 balles pour une intro. Enfin du coup j'ai perdu 700 balles, parce que les 3000 en soi ça va. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Marque un petit commentaire, je serai là, je réponds à tous les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Claim to fame.